Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo de Do It Yourself Inspiration, dirige soi-même. Et aujourd'hui c'est parti, une grosse écharpe, toute douce, agréable à porter. Donc j'ai un crochet assez grand, donc vous ferez comme vous voulez. Mais voilà, on fait ce motif qui est super sympa et je vais vous montrer comment ça fonctionne. Alors, on a besoin de deux pelotes de Creative Soft Wool Around, donc de Rico Design. Et puis j'ai mon crochet 9. Et du coup, la laine, c'est 100 grammes, 300 mètres. Et voilà, c'est fait pour un crochet, c'est numéro 5. Voilà. Donc on a 75% de polyacryl et 25% de laine. Bon, on prend le début du fil. Donc je commence avec une maille en chaîne. On fait notre nœud magique. Et on fait donc 24 mailles. Donc 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, voilà. Donc après on peut choisir, on peut changer la largeur. Si jamais celle-ci ne vous convient pas, hein, c'est flexible. Donc là, je prends les trois mailles, donc elles restent libres, et je vais piquer dans la quatrième maille ici, et je fais une maille serrée là-dedans. Donc je fais une maille en l'air. Ici donc je saute une maille, j'ai piqué dans la suivante. Et je fais encore une maille serrée. Une maille en l'air. Je saute une maille, j'ai piqué dans la maille d'après. Et je fais une maille serrée. Voilà. Donc le principe est très simple. Vous avez vu, on a juste à changer une maille en l'air et une maille serrée en sautant une maille entre temps. Et là, je suis arrivée à la fin. Et là, on va faire une maille serrée. Voilà à quoi ressemble ma première rangée. Donc voilà, une belle... Je trouve que c'est une belle largeur pour une écharpe. Et on n'a plus qu'à continuer. Donc je mets deux mailles en l'air pour la hauteur. On tourne. Donc c'est parti, donc on continue. Je fais ma maille en l'air. Là je laisse aussi, je fais l'espace et je vais piquer ici. Une maille en l'air. Et à nouveau, je vais faire une maille serrée ici et une maille en l'air. Et ainsi de suite. Donc il faut toujours qu'il y ait voilà, cet espace. Donc cet espace, ça c'est... Je le laisse, je saute, je fais ma maille en l'air et puis je pique dans l'espace à côté. Voilà, très simple à réaliser.
Et voilà qu'on a placé les mailles serrées comme ça, donc on avance sur la rangée. Et ici, on arrive. Et là, c'est la petite maille en l'air de l'avant. Et je fais de nouveau deux mailles en l'air. Je tourne. Et on est reparti. Et donc on en fait encore quelques-uns et puis vous allez voir, le motif commence à prendre forme, vous commencez à voir ce que ça donne. Voilà, donc on a fait quelques rangées. Donc on a fait, voilà, on est arrivé un peu plus loin, donc voilà ce que ça donne. Ça fait vraiment plus un effet vraiment sympa une fois qu'on a, on a réalisé quelques rangées. Et après, donc voilà, on va continuer jusqu'à la fin. Donc je suis arrivée à la fin de la pelote, donc voilà le reste de ma pelote, donc vraiment pas beaucoup. Hein. Donc là j'ai ma dernière maille serrée qui a été crochetée. Voilà, donc on a vraiment, je trouve que c'est assez compact comme motif, ça nous donne vraiment une belle structure, c'est tout doux, et puis on peut enfin elle est vraiment très agréable à porter, et j'espère vraiment que ça vous a plu. N'hésitez surtout pas à laisser des commentaires, des avis, des suggestions, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait, comme ça vous ne manquerez plus aucune vidéo, et on se dit à très vite, salut!